Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir à côté de moi Saïd Bouamama. On va rapprocher un peu les chaises pour qu'il soit bien dans l'image aussi. Saïd Bouamama est algérien, il vit à Lille, il est sociologue, il est beaucoup de choses en fait. Il a écrit toute une série de bouquins formidables, dont Figure de la Révolution africaine à la découverte, à Investigation, le manuel stratégique de l'Afrique en deux volumes. Euh, on est fan d'ailleurs, on va signer pour euh, un prochain livre que Saïd nous prépare. Et là aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je suis à la fois l'intervieweur et le co-auteur puisque on a euh, rédigé ensemble "La gauche et la guerre euh, an analyse d'une capitulation idéologique". Il y a justement du soleil, donc j'essaie de vous le mettre pour qu'il y ait pas trop de reflets. Analyse d'une capitulation idéologique. On en parlera prochainement. On essaie de comprendre pourquoi le mouvement anti-guerre a disparu en France et euh, presque partout en Europe, alors qu'il y a de plus en plus de guerres et de conflits. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est l'Algérie, l'Iran, l'Irak, puis toute l'actualité s'est emballée. Donc on s'est dit, on va essayer de donner une vue globale là-dessus. Et la première question, c'est. Pourquoi est-ce qu'il y a tout d'un coup tellement de mouvements populaires, de luttes spontanées Ça chauffe partout. Pourquoi maintenant Alors pour répondre à cette question, ben il faut regarder le monde tel qu'il est. Dans quelle période historique sommes-nous Nous sommes dans une période historique dans laquelle la paupérisation au niveau mondial n'a jamais été aussi importante. Et donc il faut interroger ce que les médias nous présentent comme un... Phénomène qui serait complètement La nouveau. paupérisation, l'appauvrissement, les cas riches-pauvres. Absolument. Et, le, et le, le fait que de plus en plus de citoyens du monde, parce que ça se passe dans toutes les, les, tous les territoires du monde, euh, n'arrivent même plus à survivre. Autrement dit, on est dans une période dans laquelle... Euh, et poser la question de la survie pour une grande partie de l'humanité. Mmh. Euh, dans les médias, on nous présente euh, cela comme étant un cataclysme sur lequel on ne pourrait rien, qui serait le résultat euh, euh, du fonctionnement de l'économie moderne, euh, avec peu de prise là-dessus. En on vrai, entend beaucoup, euh, c'est la mondialisation. La mondialisation, c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a quelques perdants, il y a des gens qui restent en arrière. Et euh, est-ce que c'est vrai ça, que la mondialisation, c'est un progrès et que ceux qui sont en arrière vont finir par être entraînés par le train aussi, ou bien c'est un mythe Alors la mondialisation, euh, on peut déjà en tirer un premier bilan. qui est appelé mondialisation, c'est cette nouvelle phase d'internationalisation de l'économie qui a démarré dans les années 90, mais en réalité... Euh, ça n'est qu'une nouvelle phase. Elle a déjà commencé antérieurement, et surtout, on peut en tirer le bilan en termes de de, de conséquences très concrètes sur la vie des peuples. Et c'est quoi la, la cause de cette nouvelle phase On nous dit ben, il y a les techniques, il y a Internet, il y a l'informatisation. Donc, c'est un phénomène technique qui permet l'accélération de l'économie. Alors d'abord, les progrès techniques n'ont jamais cessé. Donc euh, considérer qu'il y aurait une découverte technique ou un moment de découverte technique qui aurait enclenché une mondialisation, c'est nous mentir sur toute la ligne. La mondialisation a toujours accompagné le capitalisme. Dès ses moments de naissance, ça s'est traduit par la destruction des civilisations amérindiennes, ça s'est traduit par l'esclavage, ça s'est traduit par une économie internationale. Ce qui a eu de nouveau dans les années 90, ça a été le changement de, euh, dans les rapports de forces mondiaux avec la disparition de l'URSS et la disparition du monde bipolaire qui était issu de la Seconde Guerre mondiale. Et en conséquence, les classes dominantes, les pays impérialistes et leurs classes dominantes en ont profité pour déréguler complètement l'économie mondiale, détruire tous les conquis sociaux qui avait été acquis soit par les classes ouvrières ici en Europe, soit par les mouvements de libération nationale euh, dans les pays euh, dominés. Et cette remise en cause de tous ces conquis sociaux va entraîner une économie ultralibérale qui fonctionne uniquement sur la base du profit, sans contrepoint euh, tel qu'ils existaient auparavant, mmh. avec en conséquence une paupérisation massive. Paupérisation ici, comme en témoigne le, le mouvement des Gilets jaunes euh, en France, mais paupérisation également dans les pays du Sud qui n'ont jamais connu, de situations de pauvreté aussi absolue. Le mythe d'une mondialisation qui donnerait à terme des effets positifs est euh, démenti par la réalité euh, quotidienne aujourd'hui. On a des situations dans lesquelles on a euh, des, des, des morts de, de personnes, on a une survie, on a la destruction de forces de travail. Bref, la mondialisation, c'est la maximisation du profit avec comme prix la paupérisation massive. Mmh. Euh, ce qu'on voit maintenant, euh, parce qu'on nous dit souvent, les progressistes, les gens qui ont préoccupation sociale, disent, c'était mieux avant, quand même, le capitalisme était moins brutal, moins dur, maintenant il y a une crise, il y a une aggravation, il faudrait essayer de revenir à avant. Ce qu'on voit maintenant, c'est le vrai capitalisme, et on s'était un, un peu masqué, comment expliquer ça Alors, le capitalisme est euh, un système économique qui au niveau théorique est basé sur l'idée de maximiser le profit. Autrement dit, les détenteurs du capital veulent maximiser leur profit. Ceci dit, lorsqu'ils veulent maximiser leur profit, ils sont obligés de tenir compte du rapport de force concret, c'est-à-dire des résistances. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il n'y en, en a pas Ce qui fait que, pour comprendre pourquoi... Euh, le capitalisme a pu être moins brutal dans euh, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Il y avait quand même l'État-providence, il y avait une sécurité sociale, Absolument. il y a eu une amélioration de la consommation en France et en Europe occidentale indéniable. Absolument. Et c euh, c ces dimensions-là qui étaient effectivement indéniables sont des dimensions qui ne sont pas le fruit du fonctionnement du capitalisme, mais le fruit de la résistance au capitalisme. Autrement dit, à partir du moment où il y a des pays qui se revendiquent d'un autre système économique, euh, je, je, je pense à l'URSS dans le passé, où il y a des mouvements de libération nationale qui exigent... Euh, des politiques d'indépendance nationale ou qui ont des revendications de rééquilibre au niveau mondial, à partir du moment où il y a mouvement, ces résistances... Il y a un mouvement syndical plus fort. À partir de ce moment-là, le capitalisme est obligé de tenir compte de ces résistances et fait des concessions pour ne pas radicaliser les, les, les résistances. Ce qu'on a présenté comme étant un meilleur capitalisme mais en fait un capitalisme qui est obligé de ne pas montrer son vrai visage qui est obligé de réfréner sa logique. Avec la disparition de ces rapports de, de ce rapport de force positif au peuple dans les années 70, dans les années 80, etc., cette disparition-là, avec la, la, le, le, le cataclysme géostratégique a signifié la fin de l'URSS, eh bien avec cette disparition-là, les classes dominantes se sont dit c'est le moment de la reconquête. Nous sommes dans une phase de contre-révolution mondiale dans laquelle le rapport de force a donné espoir aux classes dominantes de la planète, de, et en particulier des grands pays impérialistes, de donner l'espoir de revenir à la logique pure du capitalisme, sans entrave, sans devoir tenir compte de ces revendications des peuples. Bien, donc ce qu'on voit maintenant, c'est le, le vrai système, Absolument. comme il est, avec beaucoup moins de camouflage, et c'est ça alors qui explique un peu cette révolte Absolument. partout. Absolument, il faut vraiment distinguer pour comprendre l'ensemble de ces révoltes à la fois, euh, enfin, d'une part, le prétexte qui euh, euh, produit un déclenchement des révoltes. Le prétexte, c'est... Des choses très diverses, mais c'est la hausse du, 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 du carburant à tel endroit. C'est ailleurs une élection qui est trafiquée ou qui est vécue comme indigne. C'est à un autre endroit l'idée, la revendication plus large de démocratie politique. Ça, c'est les prétextes. C'est-à-dire, c'est ce les gouttes qui font déborder un vase. Et il faut donc s'intéresser d'abord à euh, ce qui fait le contenu de ce vase. Et ce qui fait le contenu de ce vase, c'est l'accumulation depuis maintenant près de trois décennies. C'est les années, des années 90 à 2020. C'est trois décennies de logique ultralibérale qui s'impose progressivement et qui dérégule complètement. ultralibérale ça veut dire une exploitation plus forte des gens qui travaillent. oui c'est la logique capitaliste qui s'est donnée les moyens d'avoir des règles du droit des règles de l'économie qui sont euh, sans entrave, qui, sont, qui ne sont pas freinées par des politiques d'état etc. le fonds monétaire international par exemple lorsqu'il accorde des prêts euh, mais comme condition pour ces prêts que les États renoncent à un certain nombre de protections de leurs salariés, un certain nombre de protections de leur production, et donc c'est ça la dérégulation. Et donc on a aujourd'hui trois décennies de dérégulation qui vont qui ont entraîné euh, une paupérisation massive et secondo une nouvelle génération qui n'a fait que qui a connu que ces politiques-là. Oui, les gens qui les... sont dans Uber, Deliveroo, n'ont aucune idée de ce que c'était le travail en usine, Absolument. une délégation syndicale, etc. On nous a dit que la classe ouvrière, c'était fini, et apparemment, là, on a une contradiction. On... L'idée est au contraire qu'elle est toujours là, mais qu'elle est de plus en plus affaiblie, exploitée, mais qu'elle est toujours là. Alors, il faut d'abord euh, s'intéresser à pourquoi... Euh, ce discours qui euh, est contredit par la réalité, dire qu'il n'y a plus de classe ouvrière dans le monde, c'est ne pas regarder le monde tel qu'il est, c'est en particulier ne pas regarder l'Afrique, c'est ne pas regarder l'Asie, c'est ne pas regarder ces pays dans lesquels les classes ouvrières explosent aujourd'hui. Et donc, euh, faut d'abord se poser la question, pourquoi euh, a-t-on pu euh, croire à ce discours Et bien tout simplement parce qu'on a vu se diffuser euh, au niveau du discours dominant, au niveau des médias, ce que j'appelle euh, une vision eurocentrique. Autrement dit, on nous a habitués à ne plus regarder le système capitaliste comme étant un système mondial, mmh. mais à regarder uniquement pays par pays, et en particulier ce qui se fait passer ici. Il est vrai qu'ici, en Europe, il y a eu des choix des classes dominantes d'aller porter leur industrie dans le reste de la planète, et donc ça a fait diminuer le nombre d'ouvriers ici, dans les grands pays. Oui, mais on, devrait, on pourrait aussi faire remarquer que beaucoup d'ouvriers sont déclarés comme des techniciens, Absolument. comme des cadres, comme des faux indépendants. Donc même ça même, même ça... même est ta ça, question. Hein. Mais mmh. même si on prend l'hypothèse mmh. qu'il euh, y a une diminution nette ici, le regard sur l'ensemble du système nous amènerait à conclure exactement l'inverse que ce qu'on nous dit dans les médias, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation nette de la classe ouvrière au niveau, euh, au niveau mondial. Là-dessus, je vous encourage à aller lire l'article qu'on vient de publier il y a un jour ou deux de Saïd sur la mondialisation, où il y a des chiffres extrêmement précis sur le fait que en fait, la classe ouvrière augmente énormément. Et que, bon, c'est un peu l'aboutissement du capitalisme. Là, c'est le capitalisme est en train de s'installer partout et de transformer tout le monde en, en prolétaire, quelque part. Absolument, absolument. Et les mouvements dont on parlait sont justement l'expression de cette augmentation quantitative de la classe ouvrière, à condition qu'on la regarde au niveau mondial. Et, secondo, le résultat de la paupérisation de cette classe ouvrière. Parce que le déplacement des industries vers les pays du Sud a comme conséquence également, a comme signification, comme comme raison de faire diminuer le coût du travail. Et donc c'est sur la base d'une exploitation encore accrue que se fait cette euh, exportation de la classe ouvrière au, euh, au, au niveau mondial. Donc non seulement ça augmente, mais elle est plus exploitée que par le passé. Eh bien vous avez là la véritable cause, au-delà des prétextes que sont l'essence, etc. Mmh. La véritable cause, c'est cette paupérisation, cette exploitation accrue, qui est euh, sans doute le signe de l'impérialisme en crise contemporaine. Mmh. Alors, venons-en à l'Algérie, où on a euh, depuis un an un mouvement populaire important. On a déjà un peu de recul maintenant, après un an, pour analyser. Il y a eu des opinions très diverses sur ce mouvement. Euh, à ton avis, pourquoi ce, ce mouvement alors ce mouvement est justement complètement en lien avec ce que nous disions auparavant. Mm -hmm. L'Algérie a connu une, peu, une histoire particulière. L'Algérie est le pays d'une des luttes de décolonisation les plus radicales, euh, un pays qui a euh, eu également... Euh, du fait de cette radicalité de la libération nationale, des aspirations à l'égalité extrêmement fortes. Je souligne euh, euh, fréquemment dans mes interventions sur l'Algérie que tous les partis au moment de l'indépendance se revendiquaient du socialisme, même les partis de droite étaient obligés de mettre en avant le mot socialiste, tant l'aspiration à la terre, mmh. l'aspiration à la scolarité, l'aspiration à l'égalité, les revendications égalitaires étaient fortes du fait de cette radicalisation. Euh, des de, de la lutte de libération nationale, qui a été bien plus qu'une lutte de libération nationale, elle a porté des espoirs d'émancipation sociale particulièrement fortes. Mmh. Le résultat en est que les pouvoirs qui sont euh, apparus à partir de 62 ont été contraints de prendre en compte ces aspirations populaires. Et donc il y a eu euh, la prise en compte d'un certain nombre d'intérêts de cette classe ouvrière pendant les premières décennies. Au moment où arrivent les choix ultralibéraux, et euh, eh bien on va avoir. C'est une... vers quelle époque ça alors ça, ça commence dès, euh, dès le milieu des années 70, en fait la fin de la décennie 70, on commence à avoir euh, des appels au Fonds monétaire international, des plans d'ajustement structurel, des pr la privatisation. L'Algérie est un pays qui avait un secteur <coughs> public très fort, même dans l'industrie. Absolument. Euh, c'est euh, les, les politiques de nationalisation et de développement de l'industrie de, des entreprises publiques ont été prédominants dans les années euh, 60 et 70. Et donc on a euh, une privatisation qui se met en place à ce moment-là, avec comme conséquence une paupérisation importante. Un mouvement syndical également important, et une politique, grâce à la rente que constituent les recettes pétrolières, une politique qui va consister à distribuer pour éviter la contestation sociale. À chaque fois que des mouvements... Euh, fort apparaissait, eh bien, en redistribuait, ce qui amenait ces mouvements à ne pas pouvoir aller euh, jusqu'au bout et en particulier jusqu'aux conséquences politiques. Et euh, ceci dit, la paupérisation s'est installée. Et la nouvelle génération qui a qui, qui, qui a émergé ces 30 dernières années est une génération qui a euh, renoncé à l'espoir sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on avait une génération qui ne... Euh, pensez pas que l'avenir était porteuse d'amélioration. Le mouvement Comme actuel. Comme en Europe, quoi. On, absolument. Les parents pensent que leurs enfants auront plus dur qu'ils n'ont eu. Et hum. donc, le, le, le mouvement actuel est l'expression de cette génération qui veut redonner du contenu à cet espoir social et, euh, et, 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 et dans ce mouvement massif, veut imposer ce qu'ils qu appellent le changement de système, qui est en réalité euh, de revenir à, euh, aux aspirations. Qui avait déterminé les premières décennies des indépendances. Donc, pour toi, ce mouvement qui est là dans la rue maintenant, sur la démocratie, sur la liberté, contre la corruption, le fond, c'est que l'Algérie n'a pas réussi à construire une économie saine pour un pays du Sud, une économie autonome et forte et saine. Absolument, absolument. C'est-à-dire que euh, les aspirations populaires à cette économie ont été, ont été contrecarrées à la fois par des stratégies impérialisées et grandes puissances, et à la fois par des politiques de, euh, de pillage du côté des classes dominantes. D'affairisme, de, de corruption, pour export. Absolument. Mmh. Okay. Et, et le mouvement actuel est... On le voit bien dans les symboles. Les symboles euh, brandis aujourd'hui sont des symboles qui mettent en avant euh, un certain nombre de martyrs de la libération nationale. Donc on va rechercher dans cette période-là les euh, images qui permettent de porter le mouvement. Est-ce que, bon, je le disais tout à l'heure sur le mouvement en Algérie, on entend, on lit des jugements parfois très opposés. Est-ce que c'est un vrai mouvement populaire ou est-ce que c'est, comme disent certains, un truc manipulé par les États-Unis, la France, les Saouds, un genre de révolution colorée, c'est-à-dire un truc pour changer le régime et se débarrasser de ceux qui gêneraient à Alger Alors, il euh, n'y a pas de réponse absolue à cette question. Mm -hmm. euh, il faut se méfier des raisonnements binaires qui consistent à répondre oui ou non lorsqu'une situation... Euh, à la complexité de la situation algérienne, mais aussi d'autres révoltes. Nous avons un certain nombre d'indicateurs qui euh, soulignent, et en particulier ce que j'ai dit auparavant, que nous avons, euh, que nous sommes en présence d'un véritable mouvement populaire. Euh, on ne peut pas réunir autant de monde dans les rues de manière aussi durable, avec des symboles comme ceux de la libération nationale, et considérer qu'il n'y a pas d'assises populaire à cela. Ça, c'est le premier aspect. Mmh. Mais le second aspect, qui est aussi important que le premier, c'est que, bien entendu, ce mouvement ne laisse pas indifférent ceux qui euh, veulent défendre leurs intérêts en Algérie, en particulier la bourgeoisie ultralibérale, qui espère utiliser ce mouvement, et appuyé par des impérialistes à l'extérieur, utiliser ce mouvement pour aller encore plus loin dans euh, l'ultra-libéralisme en Algérie. Autrement dit, c'est parce qu'il y a un mouvement populaire réel qui a l'instrumentalisation euh, aujourd'hui. Et euh, on, autant on ne peut pas nier le caractère populaire du mouvement, autant on ne peut pas nier qu'il y a des stratégies de euh, canalisation, d'instrumentalisation, de manipulation et de récupération du mouvement. Vers quoi Eh bien, ces mouvements de canalisation et d'instrumentalisation du mouvement sont mises en place pour éviter que le mouvement en arrive à poser les véritables questions que sont les questions du choix. Du système économique et des orientations économiques. Est-ce que l'avenir la, de l'Algérie est de continuer dans la logique ultralibérale qui, qui, qui s'est progressivement construite ces dernières décennies et d'aller plus loin et de casser les dernières entraves au libéralisme Ou est-ce que, au contraire, l'avenir de l'Algérie, c'est de remettre en cause ces logiques ultralibérales en insufflant dans le mouvement une plateforme de revendications économiques exigeant renationalisation, développement des secteurs publics, etc. Tout l'enjeu du Donc, mouvement en Algérie droite toute ou à gauche exactement et, le, et, et et le mouvement populaire et l'instrumentalisation sont les deux aspects du mouvement qui expliquent qu'on est un peu au milieu du guet aujourd'hui. Au point de vue des classes sociales, est-ce que ce mouvement est composé d'intellectuels et de petites bourgeoisies ou est-ce que la classe ouvrière de l'industrie est présente aussi ou comment ça se passe là Alors l'essentiel du mouvement euh, aujourd'hui, en tout cas sa partie la plus dynamique, c'est effectivement euh, la, petite, euh, la, la petite bourgeoisie. Euh, ceci dit, euh, la classe ouvrière n'est pas indifférente à ce mouvement. On pourrait considérer c'est vrai qu'elle euh, regarde ce mouvement avec un œil plutôt sympathique, mais en soulignant un certain nombre de limites. Et en particulier, la classe ouvrière euh, interroge le mouvement. Alors, quand je dis, elle interroge, ce n'est pas dans des organisations avec un discours explicite, mais dans son comportement sur l'absence de revendications économiques au sein du mouvement. Tout le mouvement est construit sur l'idée d'une alternance politique, ce qui peut euh, se, se, se débattre. Mais du côté des travailleurs, ce qui est mis en avant, c'est c'est quoi les choix économiques Est-ce qu'on va vivre mieux on, on va mieux. vers quoi Est-ce que ça va être mieux ou, ou, ou non mm -hmm. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui. Si on devait résumer aujourd'hui où on est euh, le, où en sont les travailleurs algériens, je dirais qu'ils euh, regardent plutôt de manière sympathique le mouvement, mais en, en interrogeant cette limite forte. Qui est l'absence de plateforme économique. Bien, je regarde si euh, vous nous avez envoyé. Euh, je sais que dans toutes les émissions, beaucoup d'Algériens nous suivent. Je regarde si vous avez envoyé des questions. Il y a une série de commentaires euh, très chouettes. Merci. Euh, voilà, voilà. Le Irak n'est pas un mouvement prolétaire, dit Aman, c'est même un mouvement contre-révolutionnaire. Bon, tu as un peu répondu à ça, mais je ne sais pas, c'est excessif Oui, je crois que c'est l'exemple type d'erreur de, 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 euh, qu'il ne faut pas faire, qui est de regarder... Euh, une réalité complexe en la simplifiant. Je crois que à la fois il, so, il faut euh, se méfier des instrumentalisations du Heilàr aujourd'hui euh, et en même temps euh, regarder toutes les potentialités qu'il qu peut porter. Mmh. Je pense qu'il faut euh, aujourd'hui euh, aller dans le Heilàr pour poser les questions des perspectives économiques, poser la question de lanti impérialisme poser la question de la souveraineté nationale et non pas le regarder euh, avec méfiance uniquement parce qu'il n'est pas parfait. Voilà, il y a des réactions d'ailleurs que vous pouvez lire à ce commentaire d'Aman. On me demande une, prochaine, une émission sur la Côte d'Ivoire. Il y en a déjà eu, il y en aura une prochainement. On est en train de préparer ça. Euh, Maïdine dit, l'économie libérale crée des emplois et des richesses et non pas se contenter de tout importer. C'est clair, là Il dit que l'économie libérale, elle crée des emplois et des richesses et que c'est donc bien. Ah, ok. Euh, sauf que euh, la question qui est posée, c'est euh, cette production des richesses, elle profite à qui mmh. Elle profite à qui euh, une, ce, le, le bonheur des peuples euh, des pays du Sud, des pays dominés, c'est pas seulement d'être un lieu de production c'est mmh. que cette production puisse aussi bénéficier en termes d'amélioration des conditions d'existence de, de la population. Aujourd'hui, nous avons une économie mondiale qui est basée sur ce que Samir Amin appelait la division centre-périphérie. C'est-à-dire qu'on peut produire dans les pays du Sud sans aucun avantage pour les pays du Sud. Et donc la question qui est posée, c'est la question de à qui profite cette économie. Mmh. Euh, sinon, on peut très bien avoir euh, un monde dans lequel l'essentiel de la production euh, serait dans les pays dominés, mais où euh, ça se traduirait par une aggravation des conditions d'existence. C'est exactement le monde d'aujourd'hui. Alors on a dit au début qu'il y avait des révoltes populaires un peu partout. Il y a aussi euh, des, euh, des coups d'État, euh, comme en Bolivie, euh, ou des coups d'État déguisés, comme au Brésil. Euh, une tentative de récupérer les mouvements, comme au Liban par exemple, où les amis des États-Unis sont vraiment visés par la population, mais les États-Unis en profitent pour essayer de placer encore mieux leurs pions et de, de, de se débarrasser du Hezbollah qui les dérange en résistant à Israël. Euh, comment expliquer cette, cette combinaison On a à la fois ces révoltes populaires, on a à la fois ces coups d'état euh, directs ou déguisés, on a des guerres comme l'Iran dont on va parler euh, ensuite. Comment comment ça s'explique tout ça Alors, pour bien comprendre ce paradoxe qui mmh. est que on n'a jamais eu euh, autant de mouvements populaires et on n'a jamais eu autant aussi de stratégies d'instrumentalisation et d'agression, euh, il faut avoir en tête le grand espoir qu'a constitué pour les classes dominantes cette euh, transformation du rapport des forces en 19... dans les années 90. Mm -hmm. La disparition de l'URSS a été euh, vraiment pour les classes dominantes de la planète le moment où ils ont espéré instaurer euh, leur monde. Euh, sans résistance. Euh, d'ailleurs, ça, ça avait été théorisé par euh, un de leurs euh, idéologues qui est euh, Fukuyama, qui disait c'est la, la fin de l'histoire. Autrement dit, nous avons à, à, trouvé la société idéale. D'accord, il y a des choses qui vont pas, mais on ne pourra pas aller, euh, aller plus loin. Et il se trouve, il se trouve que ce rêve a été immédiatement déçu parce que bien entendu, un certain nombre d'États, un certain nombre de peuples, un certain nombre de pouvoirs, euh, de manière très différente d'ailleurs les uns des autres ont refusé ce monde, ce monde unipolaire et cette ce, ce système qui était pensé comme comme étant unique et donc a on a fallu eu des résistances des dizaines d'années pour avoir en Amérique latine toute une série de pays qui disent merde aux États-Unis et qui essayent de construire une autre économie absolument et on a eu dans le même temps un pays comme la Chine qui a refusé cette logique de destruction de tous les tous les entraves au libéralisme et qui, euh, indépendamment de ce qu'on en pense, a euh, euh, eu sa propre stratégie et ne s'est pas contenté de devenir une nouvelle colonie euh, des trois pays de la triade euh, impérialiste qui sont le Japon, l'Europe et, et, et les États-Unis. On a eu un pays comme la Russie dans lequel on a mis beaucoup d'espoir pour qu'elle renonce à toute souveraineté nationale et s'éparpille, soit divisée en morceaux, etc., qui a retrouvé une dynamique de d'opposition euh, à ces grandes ces grands pays impérialistes bref on a eu euh, le rêve des classes dominantes de la planète euh, heurter euh, venir se heurter mm -hmm. à un certain nombre de processus de résistance et je pense que ces ces, ces dimensions là expliquent à la fois euh, les euh, tentatives d'instrumentalisation quand il y, y a des mouvements populaires en se disant c'est le moment de d'obtenir plus de libéralisme là où on n'en avait pas euh, on n'avait pas réussi à imposer mmh. toutes nos euh, toutes nos logiques c'est également le moment de détruire un certain nombre de régimes qui euh, ne sont pas suffisamment obéissants euh, et c'est très divers d'ailleurs ces régimes qui sont pas suffisamment obéissants et puis troisièmement le moment également de euh, re, remettre en selle euh, des pantins des pantins qui seront euh, mmh. euh, les nouveaux euh, les nouveaux colonisés euh, aux ordres des euh, de, de, de grandes puissances. Donc c'est en train de, de chauffer dans le monde. On voit qu'il y a vraiment euh, des conflits de plus en plus, des contradictions de plus en plus fortes. Est-ce que c'est est tout ce que tu viens de dire qui explique que tout d'un coup, euh, Trump, là, il, on dirait qu'il a pété un câble face à l'Iran. Euh, il perd les pédales ou euh, ça correspond à quoi cette réaction ah, Il perd pas du tout les pédales. Il est sur une stratégie euh, visant à saper, détruire, isoler, euh, éparpiller toutes les tentatives de convergence des résistances. Parce que ce qu'il y a de commun à, euh, à ce qui se passe au Venezuela, en Bolivie, mm -hmm. en Iran, etc., euh, euh, c'est etc., que tous ces pays ont fini par se rendre compte qu'ils étaient dans un intérêt commun. Et on a vu se rapprocher on a vu se mettre en solidarité dans des politiques internationales, dans des euh, réactions aux ingérences des, des USA, etc. On a vu la, le Venezuela se rendre solidaire de l'Iran, l'Iran se rendre solidaire du Venezuela, la Chine refuser des interventions militaires de, des États-Unis. Bref, on a mm -hmm. euh, une, une espèce de front contre un, la triade de résistance. Un, un C'est intéressant parce qu'il y a trois jours, on avait ici Frank Willems, un spécialiste de la Chine, on analysait la question des huit où les pays occidentaux accusent la Chine de camps de concentration, de génocide, etc. Et puis il a montré les chiffres de ceux qui votent à l'ONU contre la Chine, c'est en gros le camp occident, européen occidental avec le Japon, etc. Et puis de l'autre côté, il y avait deux fois plus de pays qui avaient fait une motion de soutien sur la question des fake news et des Ouïghours à la Chine, y compris plein de pays musulmans, islamiques. Donc ce front est en train... Quand je dis Trump perd les pédales, c'est parce qu'il se rend compte que justement les résistances deviennent de plus en plus fortes et que ses adversaires sont, sont plus coordonnés. Oui, absolument. Hein. Alors dans ce sens-là, oui, mmh. mais ça euh, ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que ça, oui, oui, bien sa sûr. stratégie est construite et elle mmh. consiste à euh, diviser ce front. Euh, et diviser ce front euh, en affaiblissant un certain nombre de régimes qui sont des acteurs importants de ce front. Et donc on, on voit bien que cette idée qu que face à la triade, il y a un autre discours possible, mm -hmm. une autre euh, logique possible, il faut la détruire. Et c'est ce qui explique cette, euh, euh, les cibles de Trump. Ce n'est mm -hmm. pas n'importe quelle cible. C'est à chaque fois ces cibles qui ont convergé. Autrement dit, il y a la tentative d'isoler de, de, la Chine. Euh, et euh, pour comprendre Hong Kong et les mouvements Hong Kong, on ne peut pas ne pas prendre en compte cet intérêt des États-Unis de diaboliser la Chine. On l'a en Afrique aussi avec le discours sur l'impérialisme chinois qui envahirait l'Afrique, etc., qui est une vraie offensive idéologique aujourd'hui. On a du côté de l'Iran, qui est euh, euh, un pays qui a été très acteur dans la construction de ce front. On a dans le coup d'État en Bolivie, on voit bien qu'il s'agit, par toutes ces attaques, il y a une logique commune qui est de saper la convergence entre tous ces pays qui résistent au discours euh, impérialiste mondial. Trump n'est pas un idiot. D'ailleurs, nous avions euh, publié, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Le Monde selon Trump, pour expliquer en quoi il poursuivait les mêmes objectifs que ses prédécesseurs, mais avec des stratégies parfois différentes. Et donc, ce n'est pas un idiot. Il a une stratégie qu'il est important de déchiffrer, en fait. Absolument, absolument. Et euh, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. La, la guerre, c'est toujours la poursuite de la politique économique par d'autres moyens. Mmh. Et donc lorsque euh, un État impérialiste décide d'une ingérence, d'une guerre, d'un coup d'État, d'une instrumentalisation, il faut regarder les intérêts économiques qu'il y a derrière. Alors, l'Iran, justement, euh, pourquoi l'Iran est-il la, la bête noire Pourquoi est-ce que Trump est allé jusqu'à pratiquer un assassinat politique terroriste en violant tout le droit international Même en Europe, on a dit bon, ce n'est pas des manières, il était un peu trop, euh, trop révélateur. Pourquoi l'Iran est vraiment euh, la bête noire alors, ben, il y a beaucoup de raisons qui poussent euh, à cet acharnement sur l'Iran. Mmh. Indépendamment de l'analyse que l'on peut avoir du projet politique et économique de, euh, du pouvoir iranien aujourd'hui, si l'on regarde simplement les prises de position et les euh, actes qui ont été posés par le gouvernement iranien au niveau international, on est obligé de constater que l'Iran s'est opposé aux stratégies euh, impérialistes euh, impérialiste mondiales. Au Liban, l'Iran a été un des appuis à, euh, euh, au mouvement de la gauche euh, libanaise et euh, du Hezbollah li libanais qui a euh, imposé la seule défaite historique au sionisme et à l'armée israélienne. En 2006, euh, en... Israël tente d'envahir le Liban et il est renvoyé. Absol Une grosse défaite. Absolument. Et, euh, et cette défaite a eu un effet énorme sur l'idée qu'il est possible de résister, que la résistance n'est pas quelque chose qui est vaincu d'avance, etc. et eh bien, l'Iran a joué une fonction à ce moment-là de soutien à, à cette résistance. Du côté des stratégies impérialistes vis-à-vis d'autres États visant à les euh, parcelliser, à les balkaniser, on a eu exactement la même chose. L'Iran, dans euh, sur la question syrienne, sur la question irakienne, etc., a toujours pris... Euh, développer comme position l'idée du respect de la souveraineté nationale et du refus de la division de, de, des territoires. Et là aussi, ça, ça vient contrecarrer directement les intérêts euh, des USA. Mais également sur des questions plus larges au niveau mondial, l'Iran a, à chaque fois qu'il y a eu une situation de crise, a apporté euh, son soutien à ceux qui s'opposaient de nouveau à l'impérisme américain. Je pense au coup d'État en Bolivie, on a une déclaration extrêmement euh, ferme du côté de, de l'Iran. Je pense au au lien économique avec le Venezuela. Bref, on a bien là une cohérence de la politique du pouvoir iranien qui est de mmh. s'opposer à la triade. Bien entendu, cela ne veut pas dire que ce pouvoir est sans, est sans défaut et sans, sans problème. Bien entendu, ça, cela ne veut pas dire qu'il qu ne faut pas critiquer ce pouvoir. Mais juste sur le plan international, nous sommes sur une stratégie d'affirmation de souveraineté nationale et d'affirmation d'un anti-impérialisme. Et pour toutes ces raisons, eh l'Iran est une cible particulière. Parce que bien entendu... Si euh, un pays aussi euh, important que l'Iran euh, disparaissait de cette résistance anti-impérialiste, ça affaiblirait toutes les résistances. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'eurocentrisme en, en France particulièrement, mais en Europe en général, avec le fait que quand on parle de l'Iran, oui, mais enfin, ce sont des théocrates, des terroristes, etc., euh, les Syriens n'en parlons pas, euh, Chavez, Maduro, euh, c'est... Euh, des autoritaires Est-ce qu'il n'y a pas un problème des lunettes qui sont portées et qu'on voit tout à travers euh, le prisme de, de nos médias et d'images qu'on qu nous impose Est-ce qu'il n'y a pas besoin justement d'aller écouter un peu plus des pays très divers, mais quand même qui respectent déjà plus le droit international, qui respectent la charte de l'ONU et qui sont en train de faire un front de résistance à la guerre et au pillage Absolument, absolument. Le... Une des stratégies essentielles euh, des impérialistes, c'est de nous habituer à regarder l'avenir du monde comme devant ressembler à l'avenir des pays européens. Bref, le modèle apparaît comme le pays européen, avec d'ailleurs une hypocrisie massive, c'est euh, l'avenir comme les pays européens mais sans le niveau de vie des pays européens c'est à dire que euh, c'est euh, les inconvénients sont les avantages on, pour, on, 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 on pourrait dire et cette vision là elle empêche de regarder la réalité telle qu'elle est c'est à dire qu'elle empêche de juger euh, chacun de ces pays à partir des actes et des faits qu'est ce qui a été posé comme Acte, qu'est-ce qui est posé comme fait, qu mmh. qu'est-ce qu qui est posé comme politique, qu'est-ce qui est posé comme vote à l'ONU, etc. Et euh, à ce niveau-là, euh, ben, beaucoup de militants de gauche et d'extrême gauche ici euh, euh, en Europe doivent se questionner sur le fait qu'ils reprennent des pensifs qui sont distribués dans les médias dominants, euh, sans s'interroger sur cette signification. C'est quoi l'évaluation d'un régime euh, mmh. Est-ce que c'est simplement la reprise de ce qui est dit dans les médias, ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Je pense que derrière cela, il y a, ce, il y a le mythe. Il y a le mythe que euh, nous serions en avance, ici en Europe, euh, ou aux, aux, aux USA, et que euh, nous avons une mission, qui est la vieille mission civilisatrice, qui est d'aller libérer les peuples qui seraient, euh, qui seraient dominés. Euh, et là, ben. On est encore euh, toujours des, des coloniaux, alors. Absolument, on, on peut avoir cet héritage-là. Et je pense que la seule manière d'éviter cela, c'est de renouer avec une analyse matérialiste, c'est-à-dire regarder les faits pour prendre position et non pas les discours médiatiques d'apparence et secondo de reprendre les vieux réflexes et les vieilles habitudes qui est que l'impérialisme ne peut pas libérer les peuples et que par conséquent c'est au peuple de s'émanciper eux-mêmes si une remise en cause du régime iranien doit apparaître, elle doit venir du peuple iranien et non pas de nous ici ou au bout des médias, etc. Donc on est un peu dans le rappel de pourquoi on a écrit ce livre, La gauche et la guerre. Et dans ce livre, il y a un chapitre notamment que tu signes en disant que les intellectuels et la gauche du Nord de l'Europe, on va dire, feraient bien d'écouter beaucoup plus les pays du Sud et qui a beaucoup à apprendre là. Absolument, absolument. Euh, et je pense que c'est vraiment un réflexe qu'il faut euh, aujourd'hui euh, développer. C'est-à-dire d'aller débattre avec euh, tous ceux qui, dans les pays du Sud, tentent de comprendre la réalité et euh, les événements qui, euh, qui arrivent sur leur pays. Parce que sur la question de la guerre, par exemple, euh, le décalage est absolu. Euh, je cite dans l'ouvrage un certain nombre de documents. De euh, la gauche des pays du Sud, euh, africaine, euh, d'Amérique latine, etc., qui interroge et qui nous interroge. Et en particulier, qui nous demande existe-t-il encore une gauche européenne en, en disant Mais s'il y avait une. que cette gauche européenne, si elle existe, elle n'est pas cohérente sur l'opposition à la guerre. Et euh, euh, ça ne veut pas dire que cette gauche euh, accepte et partage tous les points de vue des de gouvernements de leur pays. Ça veut dire juste qu'ils font la distinction entre l'analyse qu'ils font. Euh, de leur lutte à l'intérieur du pays et l'idée que l'émancipation pourrait venir euh, ou pourrait être compatible ou pourrait être cohérente mmh. avec une intervention impérialiste extérieure. Le réflexe de base qui est de dire Jamais une intervention militaire extérieure, jamais une ingérence extérieure ne peut améliorer les choses. Eh bien, ce réflexe de base, les pays du Sud ne cessent de nous le rappeler. Alors que ce soit dans le monde euh, des analyses théoriques, dans le monde des déclarations politiques, et, euh, dans le monde du mouvement syndical des pays du Sud, toute cette gauche du Sud nous dit il faut retrouver une... Position anti-guerre, il faut que les intellectuels, les mouvements politiques, les mouvements associatifs, les syndicats en, en Europe renouent avec l'internationalisme mmh. et avec l'anti-impérialisme. Bien, euh, je vois que vous êtes nombreux à poser des questions. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout, sinon on répondra par écrit bientôt. Euh, Peut-être en un ou deux mots, je ne sais pas, qu'est-ce qui se joue en ce moment dans la crise libyenne, le rôle de la Turquie, de la France, des USA alors, la Libye, d'abord, euh, il faut rappeler euh, pourquoi nous en sommes là. Nous en sommes là euh, parce, qu y avait, parce que l'impérialisme français en particulier a, euh, fait, a fait le choix d'une politique du chaos. Autrement dit, euh, la volonté d'instaurer, de, de faire disparaître Mamouar Kadhafi. Euh, pourquoi bah, Du fait d'un certain nombre de. du fait de ses positions anti-impérialistes d'une part et hum. du fait, d'autre part, de, euh, du choix qu'il avait fait. Euh, après, d'ailleurs, euh, des choix stratégiques antérieurs euh, différents, du choix qu'il avait fait de se recentrer sur l'Afrique. Euh, il faut se rappeler que euh, Kadhafi avait, euh, au moment où on l'assassinait, euh, été dans une phase de développement d'une stratégie panafricaine dans laquelle il proposait la mise en place d'une banque africaine dans lequel et il voulait il... remplacer la Banque mondiale et le FMI. Absolument. Et donc de hum. enlever un des outils de la dépendance qui était particulière. Donc le choix de faire éclater euh, la Libye est un choix stratégique. Après euh, que cela ait été fait, eh bien les différents impérialistes ont repris chacun leur propre stratégie. Autrement dit, on a une opposition euh, en Libye entre les intérêts de, des différentes puissances impérialistes. Donc, s'il y a deux ou trois gouvernements, c'est parce que chacun veut sa part du gâteau. Absolument. C'est les grandes puissances qui se battent par des milices interposées. Absolument. Et euh, en ayant en tête que ça descend. Parce que même les Occidentaux soutiennent pas tous les mêmes partenaires. Donc, c'est du business derrière. Et en particulier, nous avons aujourd'hui euh, un choix, puisque nous sommes en Europe, de l'impérialisme français, qui est de soutenir. Euh, Aftar, oui. euh, ouvertement euh, alors qu'il n'est pas le gouvernement dit légitime, etc. On a donc des choix qui sont et on a des positions euh, d'intervention euh, comme la Turquie qui vient s'opposer, euh, euh, à ce choix. Et donc on voit bien que euh, derrière les, ce qu'on nous présente comme des factions libyennes, etc. Se cachent des intérêts des pour le partagé de euh, Exactement. Les et okay. on va être obligé de répondre. Je m'excuse très très court parce que je remarquais encore deux trois autres questions très intéressantes qu'on va prendre en deux mots. Euh, absence de médiatisation du Irak euh, algérien alors qu'on en parle beaucoup plus sur le Liban et Hong Kong. Oui, bien sûr, parce que euh, du côté de, du là, l'intérêt euh, des gouvernements impérialistes a été hésitant. Que faire euh, Soutenir le pouvoir parce que euh, s'il donne des gages d'aller vers... Euh, encore plus vers le libéralisme ou soutenir le Héra en espérant imposer un pouvoir ultralibéral. Et donc on a eu un peu cette hésitation. On se méfie que... du peuple algérien et du rapport de force, Absol et ils ont Absolument. peur de pas arriver à bien le contrôler. Je m'excuse, mais il y en a encore plein de bonnes questions. Euh, le Maroc est épargné par les printemps arabes. Euh, C'est une affirmation euh, qui mériterait de, de, de s'appuyer sur des faits objectifs. On a eu quand même le mouvement dans le Rif, qui a, euh, il n'y a, a pas si longtemps, euh, marqué comme durablement la, 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 la réalité marocaine. Cela s'est traduit par une répression massive et rien n'est réglé au, au, au Maroc. Et donc, on ne peut pas dire que le Maroc est épargné aujourd'hui. Malika, je ne sais pas si on peut parler de classe ouvrière en Algérie. Elle a été totalement décimée par le non-investissement. Il reste une petite minorité dans le bâtiment et même remplacée maintenant par la main-d'œuvre chinoise. Alors, ce qui est, ce, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une stratégie de désindustrialisation en Algérie sous la pression de, du Fonds monétaire international, avec la complexité d'un certain nombre de, euh, de membres de la bourge, bourgeoisie algérienne, mais de là à conclure qu'il n'y a plus de classe ouvrière, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Euh, la classe ouvrière, c'est pas forcément des travailleurs stables à durée indéterminée, etc. On a en Algérie un certain nombre de personnes qui continuent à vivre quand même de, euh, du travail. Donc il y a encore une classe ouvrière en Algérie, même si elle n'est pas euh, celle qui existait dans les années 70. Très bien, ben voilà, je crois que c'était passionnant comme d'habitude. Un grand merci Saïd pour être venu et peut-être un petit commentaire sur ce que les gens peuvent faire avec tout ça, parce que ce n'est pas simplement un truc dont il faut rester spectateur. Quelle est la, la recommandation Alors nous qui vivons en Europe, euh, je donnerai deux recommandations. Euh, si je ne me trompe pas dans l'hypothèse que nous sommes dans une phase mondiale, euh, qui a des points communs entre ce qui se passe dans le sud et ici, euh, nous avons euh, à participer aux mouvements sociaux qui se développent ici pour de meilleures conditions de vie et d'existence. Mais cela n'a de sens que si on l'articule à un autre engagement qui est absolument nécessaire, qui est que malheureusement euh, ce, euh, cet impérialisme va aller vers de nouvelles guerres et de nouvelles ingérences, et que par, te, par conséquent la, la, la construction et la participation d'un mouvement anti-guerre est essentielle. Si nous avons une, un rôle à jouer aujourd'hui dans la lutte des peuples du monde contre ce système euh, barbare, c'est justement de Développer un mouvement anti-guerre et de nous opposer à toutes les interventions de nos États qui viennent détruire les luttes des peuples. Très bien. Alors, il y a encore des commentaires, mais on ne pourra pas répondre maintenant. On nous demande de parler de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire. C'est prévu dans de prochains Michel Midi. Je voudrais dire, inscrivez-vous à la newsletter d'InvestiAction, comme ça vous serez régulièrement au courant. Et n'hésitez pas à nous envoyer des propositions pour parler de tel ou tel pays. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Michel Midi. Mardi prochain, je fais un voyage dont je vous parlerai plus tard, et donc le prochain Michel Midi normal sera le 21, si je ne me trompe pas. Donc dans deux semaines, j'accueillerai euh, Martina Anderson, qui est une europarlementaire irlandaise que j'ai rencontrée en Palestine où j'étais euh, peu avant Noël pour un voyage de solidarité. Et euh, j'ai entendu qu'elle avait vraiment des choses passionnantes à raconter. Euh, ce sont ses derniers jours à Bruxelles, puisque fin janvier, à cause du Brexit et à cause de Boris Johnson, sur lequel elle est furieuse, ben elle ne sera plus euh, au Parlement européen. Et c'est dommage, parce que c'est une femme qui avait beaucoup de bonnes choses à dire. On va parler de, du Brexit, on va parler de l'Irlande, et vous allez avoir la surprise de découvrir qu'il existe encore bel et bien. Un colonialisme en Europe sur un territoire européen vous aurez des surprises voilà je vous souhaite une bonne semaine et une bonne bataille pour l'information et la libération des cerveaux